Le numérique fait son festival. Bienvenue, on est au Bifor, on est le 23. Le 23 septembre, on vous avait donné rendez-vous aujourd'hui. Condition un petit peu particulière, vous êtes à distance, vous êtes chez vous, nous on est ici. On aura plein d'intervenants toute la journée. La règle, elle est simple. On est là toute la journée pour vous accompagner, vous faire découvrir les métiers du numérique, pour vous parler de reconversion, d'alternance, d'entrepreneuriat dans la filière, vous faire découvrir plein de belles choses. Pour commencer, un petit mot d'accueil et quatre invités pour vous parler, pour lancer cette journée avec nous. Mon premier invité, Yann Kerverec, qui représentera Technologie. Il passera ensuite la parole à Frédéric Minard pour la ville de Roubaix et la MIE, la maison de l'emploi de Roubaix. Alexandre Desrousseaux, qui représente la région, la mission numérique à la région Hauts-de-France. Et Sam Damani, pour la French Tech Lille. Heureux de vous retrouver. Et je laisse tout de suite la parole pour le mot d'introduction à Yann Kerverec. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Yann Kerverec, donc je suis directeur des programmes au sein d'Eura Technologies. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Eura Technologies, c'est un écosystème qui est là pour accompagner les entrepreneurs, mais aussi toute personne qui a envie à un moment ou à un autre de rejoindre des startups, de se former. On est né il y a à peu près 11 ans officiellement sur le site lillois qui fait déjà plus de 100 000 m2. Avec 300 startups qui y sont présentes, 4500 personnes qui y travaillent, des écoles aussi qui sont présentes à Eura Technologies. Et c'est aussi un lieu, quand nous ne sommes pas en période de Covid, qui accueille beaucoup d'événements. Aujourd'hui, comme on vient de vous le dire, cet événement il est à distance pour essayer de le faire dans les meilleures conditions, et on va le faire dans les meilleures conditions, avec un ensemble d'intervenants qui vont venir vous expliquer les métiers du numérique, aussi comment vous préparer, puisque cette journée, elle s'intitule Pré-Daily Job. C'est bien une journée aussi où vous allez avoir un ensemble de contenus qui vous permettront de préparer les journées du 29 et du 30 septembre qui se feront en physique à Eura Technologies, avec évidemment des règles strictes d'accès. Donc nous vous invitons à vous inscrire très rapidement, puisqu'on va avoir une contenance qui va être assez réduite, et donc on va pouvoir accueillir les personnes qui ont envie de connaître les formations, les écoles présentes. Ça, c'est un moment qui se fera le matin, et l'après-midi, pouvoir rencontrer des entreprises qui recrutent. Et cet événement, et je ne l'ai pas encore précisé, on le fait aussi avec la MIE de Roubaix pour pouvoir permettre à des personnes qui se posent beaucoup de questions de pouvoir avoir des réponses tout au long de ces journées. Si on revient à Eura Technologies, comme je vous l'ai dit, c'est un lieu qui est né il y a 11 ans à Lille. On a essaimé. Alors essaimé, ça veut dire quoi ? On a fait des petits un peu partout sur le territoire sur cette idée de pouvoir accompagner les personnes qui veulent créer une entreprise ou qui veulent accéder à des métiers dans les startups. Sur le site de Lille, nous sommes sur un environnement qui fait à peu près 15 bâtiments. Sur le site de Roubaix, qu'on a ouvert à peu près il y a 5 ans, on est sur une thématique autour du retail et de la PropTech, où on accompagne des entrepreneurs dans ces thématiques-là. C'est un site qui aujourd'hui fait quasiment 300 emplois. Sur le site de Willems, qu'on a ouvert il y a à peu près 2 ans et demi, on est plutôt sur l'accompagnement d'entrepreneurs qui sont sur la thématique de l'agtech, tout ce qui va concerner l'agriculture et les technologies. Et sur le site de Saint-Quentin, que nous avons ouvert il y a à peu près un an et demi aussi, quasiment 2 ans d'ailleurs, nous accompagnons les entrepreneurs autour de la robotique et de l'industrie. Notre mission, c'est de faire en sorte que chaque personne qui ait envie d'entreprendre, chaque personne qui a envie de travailler dans le numérique puisse le faire dans les meilleures conditions. Et cette journée, elle est totalement adaptée à ça aussi, avec un ensemble d'entrepreneurs d'Eura Technologies, mais pas que, qui vont venir vous nourrir d'informations autour de thématiques autour de la data, du design, de l'UX. Et c'est une journée que je vous invite vraiment à regarder du début à la fin pour pouvoir maximiser vos choix et pouvoir optimiser surtout vos choix dans le cadre de ce qui se passera en physique la semaine prochaine. Donc bienvenue, et je vais laisser la parole à Frédéric Minard pour son mot d'introduction. Merci Yann, merci Mickaël. Donc oui, je suis Frédéric Minard, je suis adjoint au maire de Roubaix en charge de l'économie et aussi vice-président de la maison de l'initiative et de l'emploi du Roubaisie, la MIE.
Et donc depuis 2013, la MIE elle a investi l'animation du thème ressources humaines, de la filière numérique de toute la métropole. Et donc à ce titre, il y a de nombreuses opérations de collaboration avec Euratechnologie. Yann a cité aussi les sites de Blanchemaille sur lesquels la MIE intervient en appui des startups qui sont présentes sur place. Et le festival numérique qu'on inaugure, si j'ose dire, aujourd'hui, c'est un bel exemple de coproduction entre ces deux structures, et c'est emblématique de la collaboration entre les acteurs de l'emploi et les acteurs de l'économie, et en particulier du numérique sur la métropole, dans un but de développement et de revitalisation du territoire dans son ensemble. Donc merci aux équipes d'Euratechnologie et de la MIE pour cet investissement. Et puis, vous vous en doutez, il y a une certaine adversité sur l'organisation de cet événement. Et on teste ce matin une nouvelle forme. C'était précédemment un rendez-vous physique. Et donc, on teste ce rendez-vous en ligne qui est assez prometteur et qui va sans doute permettre de tester d'autres fonctionnalités et d'autres diffusions de tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. Alors, depuis 20 ans, l'emploi dans le numérique, on part pas de nulle part ici, en fait, parce que la métropole illoise, vous le savez, c'était le berceau de la vente par correspondance, de la vente à distance, à Roubaix en particulier. Et ça veut dire qu'on est un territoire qui a très vite baigné dans la digitalisation, dans le numérique. Et on a une concentration d'acteurs du commerce à distance qui a fait émerger dans la métropole une très belle offre de services numériques et qui se développe encore aujourd'hui avec des agences web, des centres de services, des entreprises de services numériques, des data centers. Et je n'oublierai pas la présence d'OVH Cloud à Roubaix, qui est notre licorne locale, et on est très fiers de les avoir avec nous. Alors cette grande vague digitale, elle est là, les sites qui l'accompagnent, Yann les a cités, et puis il y a aussi des chefs d'entreprise qui sont engagés autour, par exemple, de la French Tech, et là Sam nous en dira un peu plus. La croissance de l'emploi, elle est réelle dans ces secteurs, c'est des croissances à deux chiffres, et ce n'est pas que dans les entreprises de services numériques, c'est aussi dans l'ensemble des entreprises présentes sur place que les jobs, que les fonctions liées au digital et au numérique sont en croissance. Et donc c'est pour ça aussi que les acteurs de l'emploi s'intéressent fortement à ces métiers. Alors cela dit, il y a des challenges à relever. Et là, en tant que représentant des collectivités territoriales, pour moi, il y a quatre points sur lesquels, en tant qu'élu, j'attends les entreprises du numérique et sur lesquelles il y a des choses à échanger avec les gens qui sont à la recherche d'un emploi. D'une part, il y a la part des femmes dans les métiers du numérique, elle est encore trop faible. Est-ce que ces métiers sont mal connus? Sans doute, on va y répondre en partie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des représentations fausses ou qui donnent des mauvaises images des entreprises? Sans doute aussi, donc c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Les travailleurs en situation de handicap ont de nombreuses opportunités de travail dans les entreprises du numérique. Et là aussi, c'est pas assez développé, alors que c'est un vrai vecteur d'emploi adapté. La place des seniors dans les entreprises du numérique. On parle beaucoup de start-up, mais maintenant les entreprises du numérique ont 20, 25 ans, ou ce sont des entreprises centenaires qui ont des départements informatiques ou des DSI. Donc la place des seniors, c'est quelque chose qu'il faut aussi travailler. Et puis dernier point, la diversité dans ces entreprises, que les effectifs des entreprises soient à l'image des habitants du territoire, ni plus ni moins, mais que ce soit à l'image. Donc ces défis, on est là pour les relever ensemble, pour faire bouger les lignes, pour accompagner les entreprises, pour accompagner les salariés, les demandeurs d'emploi. Cette journée va nous y aider, c'est du moins son but. Entre des métiers mal connus, des possibilités d'alternance, la compréhension du marché de l'emploi, la place des femmes, il y a vraiment de nombreux thèmes. Et donc j'espère que tout le monde va trouver un intérêt dans les ateliers et les conférences qui vont avoir lieu aujourd'hui. Voilà, merci. Merci Frédéric, merci Yann. Je vais laisser la parole à Alexandre. Alexandre, toi tu représentes la région Hauts-de-France. À la région Hauts-de-France, tu as une mission un peu particulière. Tu as été longtemps sur la mission numérique de la région Hauts-de-France pour accompagner justement toutes ces problématiques d'emploi, de compétences, de réponses aux besoins des entreprises. Aujourd'hui, ta mission, je crois, elle s'est élargie à la transition numérique. Voilà, je vais te laisser simplement nous dire pourquoi c'est important pour la région et puis quel est le sens finalement de toute cette mission.
Oui, bonjour à toi, bonjour à tous, qui est en ligne. D'abord, moi, j'ai envie de dire mon plaisir, ma réjouissance sur deux sujets. La première réjouissance, c'est de voir ensemble Euratechnologie et l'AMIE du Roubaisis travailler sur un tel sujet. Euratechnologie a souvent une image, on va parler beaucoup stéréotypes aujourd'hui, une image très high-tech. Roubaix, peut-être un peu moins. Et les voir bosser ensemble sur le sujet, je pense que ça montre toute la richesse et tout le potentiel du numérique par rapport à la diversité. Tu l'as évoqué tout à l'heure, j'y reviendrai un peu après. Et c'est d'ailleurs le cœur de ma deuxième réjouissance, c'est de voir le contenu du programme d'aujourd'hui qui va beaucoup accentuer sur cette diversité. Et j'ai envie d'accentuer mon propos sur ça. Sur ça, c'est-à-dire, première chose, l'emploi, il y en aura. On le sait, il y a des difficultés actuelles, la crise sanitaire puis économique impacte lourdement une grande partie des entreprises, notamment celle du numérique. Quoique, celle de la cybersécurité et de l'installation d'outils de télétravail ont plutôt l'air d'être contentes. Bon. C'est donc pas si simple que ça. En tout cas, la tendance, elle est bonne. Elle est bonne pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous êtes plusieurs à en avoir parlé, il y a une forte tendance à aller vers la transition digitale, digitalisation, numérisation de l'économie des entreprises. Depuis le artisan boucher qui va avoir sa page sur un réseau social, voire demain son site web e-commerce, jusqu'aux entreprises industrielles qui vont passer à l'intelligence artificielle, les opportunités vont être nombreuses, opportunités pour l'emploi. Donc on est sur une tendance positive. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête malgré les aléas actuels. Il faut préparer l'avenir, il faut savoir anticiper et dans la tourmente, garder le cap. S'il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est qu'effectivement, dans cette dynamique, le talon d'Achille, c'est la question des talents, de l'emploi, des formations. C'est quand même un comble, alors qu'on a des chômeurs, d'avoir des entreprises du numérique ou qui veulent passer au numérique, qui ont du mal à trouver des collaborateurs. C'est quand même un souci. Cette inadéquation, il faut qu'on la prenne de face, qu'on regarde ses origines, ses sources. Alors, est-ce que c'est un problème de « on ne s'est pas assez formé » C'est en partie le cas. On est en train de résoudre le problème sur tout ce qui est formation de reconversion, avec différents dispositifs qui permettent à tout un chacun, en 6, 9, 12 mois, de passer à des métiers du numérique. Pas forcément être expert tout de suite, mais au moins on a cette possibilité que, qui que vous soyez, si vous avez envie d'aller dans le numérique, vous reconvertir dans le numérique, vous êtes géographe, vous avez 50 ans et vous avez fait du marketing, vous voulez passer au web marketing, il y a des possibilités. Il y a un autre angle qui est l'angle de la formation initiale. Ce n'est pas la reconversion, c'est les jeunes qui, collège, lycée, vous le savez peut-être, il y a eu une réforme du bac où il y a des modules sur l'informatique dédiés désormais. Et on a des bons signaux, enfin, pour que dans l'enseignement supérieur, il y ait un peu plus d'oxygène, pour qu'on puisse prendre un plus grand nombre de jeunes dans leur diversité, dans ces métiers-là. Donc la question de la formation, de la capacité de la région, de la France à former, elle est en train en partie de se résorber. Mais ce qui reste, c'est les stéréotypes. Parce qu'en fait, pour que ces formations se remplissent, plusieurs universitaires, plusieurs personnes, les pôles emploi, etc., mais il faut amener vers ces métiers. Et c'est incroyable de voir à quel point encore aujourd'hui ils sont entachés de stéréotypes. Alors, certains ont été évoqués. Premier stéréotype, le numérique, c'est pour les mecs. C'est faux. Il y a plein de femmes qui réussissent et s'épanouissent, voire même, il peut y avoir une prime pour les filles, parce qu'effectivement, on a besoin de filles dans nos équipes, ça peut aider. C'est fait pour les jeunes, tu l'as évoqué. Non, ce n'est pas que pour les jeunes. Je connais de grands nombres d'exemples de gens qui, à 50 ans, étaient marketeurs, je te parlais tout à l'heure, mais ils passent web marketeurs. Ils ont tout leur savoir-faire, il leur manque juste la couche digitale. Et ça, c'est aussi des choses qui sont à avoir en tête. Ce n'est pas que pour cette catégorie, les jeunes. Est-ce que c'est fait que pour les geeks ? Non, bien sûr, quand on voit la diversité des métiers, un community manager, ce n'est pas forcément un geek enfermé à coder. D'ailleurs, le codeur lui-même, il n'est plus enfermé dans son bocal. Il interagit tous les 15 jours en méthode agile avec son client. Donc, on n'est plus dans ces enfermements-là. C'est que pour les bacs plus 5. Là encore, c'est faux. On a plein de gens qui, avec un BTS, les fameux BTS SN SEO, trouvent du boulot à l'issue d'un DUT qui deviendra demain un BUT. Donc, il y a une diversité de voies de formation. Tu l'as évoqué, je pense que ça sera évoqué cet après-midi ou dans la journée, l'alternance. Enfin, voilà. Il y a une diversité de métiers, une diversité de voies pour se former. Et donc, c'est ça, moi, je pense qu'il faut que l'on ait en tête comme seconde réjouissance, grande réjouissance de la journée. C'est que vous allez pouvoir, aujourd'hui, dans cette journée, véritablement pouvoir découvrir cette diversité des opportunités, de voies de formation, de métiers, de débouchés, effectivement. Ce n'est pas toujours évident quand on est
femme issue de l'immigration dans un territoire rural de se projeter sur ces métiers-là? Ben si, parce que peut-être demain, cette femme, par une formation, va pouvoir se retrouver community manager ou homme ou plutôt femme à tout faire d'une entreprise du BTP, de son territoire, qui a envie d'exister sur la toile, de vendre en ligne, qui ne sait pas trop comment le faire, qui n'arrivera jamais à récupérer un ingénieur de haut de gamme parce qu'ils ont d'autres perspectives de carrière. Et bien, même pour cette personne-là, aujourd'hui, il y a des possibilités. Et c'est ça, je pense, qu'il faut vraiment faire savoir au cours de cette journée. Voilà, c'est le message que je souhaitais faire passer, Mickaël. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, pour prendre la suite, Sam, toi, tu es délégué général pour la French Tech Lille, capitale French Tech. Est-ce que tu peux, du coup, déjà peut-être nous en dire plus? C'est quoi une capitale? On s'interrogeait tout à l'heure, et c'est quoi une capitale? Et je crois qu'il y a des communautés derrière. Vous êtes tout plein, finalement, derrière ce mot French Tech. Voilà, si tu peux nous en dire plus, et puis nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui, et en quoi, pour toi, il y a un sujet important à traiter sur l'emploi dans le numérique. C'est beaucoup de questions. Merci pour l'invitation, Mickaël. Merci à tous pour ces beaux discours. Ce qui est toujours intéressant de passer en dernier, c'est qu'il n'y a plus grand-chose à dire. Et je suis totalement en adéquation avec ce que je viens d'entendre, en particulier sur ce que Alexandre vient de dire. Le numérique, effectivement, a vécu sur ces 20-25 dernières années une progression incroyable. C'était une verticale, c'était une niche, et qui était réservée effectivement à des passionnés. Alors j'en ai fait partie à la fin de mes études, donc ça fait maintenant plus de 20 ans, le temps passe vite. J'avais un choix à faire qui est très simple quand on est au lycée, c'est jeter les dés. Voilà. Et par quelle direction je vais m'engager pour m'assurer de faire un job qui me permette tout simplement de gagner un salaire et de vivre. La chance que j'ai, c'est que j'ai un papa qui était plutôt sensible au numérique. On avait un ordinateur à la maison et donc je suis parti dans une filière plutôt technique, donc les télécoms en particulier. Et j'avais une image un peu faussée, très stéréotypée du commerce. Pour moi, c'est un peu l'ennemi. Quand on est commercial, on met le pied dans la porte et on vend de force, de gré ou de force. Quelques années plus tard, j'ai eu la chance d'entreprendre. Et là, je me suis rendu compte que le commerce, ce n'était pas du tout ça. Parce qu'une société, c'est avant tout, alors certes, un centre de profit, certains diront, mais c'est avant tout une réponse à un besoin de marché. Quand on est client, on ne va pas acheter un truc pour un truc, on va acheter quelque chose parce que ça répond à une attente. Soit on a envie de se faire plaisir, soit on doit répondre, je sais pas, j'ai faim, il va falloir que j'achète un paquet de pâtes. Et quand on comprend qu'on a une utilité par rapport à un marché, on dépasse l'aspect métier et vouloir faire un métier pour se faire rémunérer, on dépasse l'aspect de je crée une boîte pour pouvoir simplement vendre, je suis là pour résoudre un problème. Et c'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat, et même dans les métiers du numérique en général, c'est que le problème, en plus, il est mondial. Parce que le numérique, il n'a pas de limite géographique. Et c'est là, c'est de ce constat-là, de cette maturité qui a pris une quinzaine d'années, que la French Tech est née. C'est le regroupement des entrepreneurs qui se sont dit, à un moment ou à un autre, on a tous des problèmes communs. Moi, je fais une application avec des objets connectés. Moi, je fais de l'agrotech, donc plutôt destiné à un public d'agriculteurs. Mais on a tous le même problème. Le premier, c'est bien sûr d'avoir la confiance des banques, parce qu'on est des entreprises qui ne sont pas classiques. Soit ça marche, soit ça ne marche pas, contrairement à une industrie où ça peut un peu plus marcher, mais en plus long terme. Mais si ça marche, ça peut très bien marcher, et tout de suite au niveau mondial. Ça veut dire qu'on est dans un challenge, une performance et une volonté de conquête au niveau mondial. Parce que nos clients, ils sont ici, mais ils sont aussi à l'autre bout de la planète. Et quand on comprend qu'on est dans une aventure entrepreneuriale, on se dit qu'il faut embarquer des personnes. Et c'est là où la French Tech s'est aussi fédérée, c'est qu'on était en manque de talent. Manque de finances d'abord, mais aussi en manque de talent. Parce qu'une entreprise, c'est avant tout le regroupement de personnes qui vont travailler sur leur expertise, pourquoi elles ont été formées, mais qui vont travailler pour une cause commune, celle de répondre à un besoin de marché. Et quand on est en manque de talent, parce qu'on a un chiffre, le dernier en date, c'est 80 000 postes à pourvoir dans le numérique, ça date de 2018, il y a eu le Covid entre deux, mais je pense qu'on ne doit pas être très loin encore de la réalité, et qu'on a été formaté pendant 30 ans sur le fait qu'il fallait à tout prix faire des longues études, ce qui est bien, mais que si on n'en faisait pas, ce n'était pas bien, c'est un mensonge. J'en veux pas à mes parents, j'en veux pas à la génération d'avant qui ont cru ce fait de pousser à des longues études à tout prix.
Je dis simplement qu'aujourd'hui, le besoin de marché est tel que toutes les filières, toutes les formes de formation qui ont été évoquées sont indispensables pour pouvoir renforcer nos équipes et répondre aux besoins du client. Donc capital, communauté, on ne va pas se faire de nos cerveaux. Capital, French Tech, c'est un regroupement d'entrepreneurs qui ont déjà des boîtes un peu matures, qui ont 5, 10 ans, qui ont déjà en fait un modèle. C'est même plus des startups, c'est plutôt des entreprises du numérique ou innovantes. Et on a des communautés qui regroupent un peu partout en France et même dans le monde des entrepreneurs aussi, mais peut-être un peu plus jeunes. Et pour la région des Hauts-de-France, on a la chance de couvrir tout le territoire avec une capitale sur la métropole, parce que l'exemple de Ra Technologie, l'action politique, l'exemple d'autres sites d'excellence comme Ra Santé, Pleine Image, ont poussé à ce qu'il y ait un noyau dur ici, mais ça a donné plein de dynamiques partout en région, et on a 4 communautés. Ce qui fait que tout entrepreneur qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat est maillé à travers ce réseau qu'est la French Tech. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces formations diverses ne doivent répondre qu'à un seul besoin, celui de l'épanouissement. On sera toujours un meilleur salarié, collaborateur, entrepreneur, si on est passionné par ce qu'on fait, peu importe la filière. Dans la vie, attention, je ne vais pas jouer mon grand philosophe du haut de mes 42 piges, mais dans la vie, en fait, il y a 10% de savoir qui sont indispensables, c'est les fondations, mais il y a surtout 90% de savoir-faire et de savoir-être. Et quand on a envie, quand on ose, quand on a de l'audace et qu'on a cette envie de répondre encore une fois à un problème, on trouvera le chemin pour pouvoir y réussir. Et c'est ça qu'il nous faut dans nos entreprises. Ce sont des personnes motivées, alors avec une compétence. C'est pour ça que toutes les filières sont acceptées. On va parler de reconversion aujourd'hui. On va parler de formation professionnelle, d'alternance. On va parler d'une multitude. Si j'ai un message à passer à nos amis chefs d'entreprise, c'est tirez vos œillères, surtout les directions des ressources humaines, des moyennes et grandes entreprises qui sont peut-être un peu trop encore formatées sur un schéma type de réussite. La capacité, le soft skills, la compétence de la personne à vouloir s'engager dans une aventure humaine dans le but de développer une entreprise est aussi importante que le bout de papier obtenu à la fin de ses diplômes, que ce soit un bac plus 2, un bac plus 5. Et l'autre message, c'est plutôt à l'ensemble des personnes qui s'intéressent au métier du numérique de manière très large. On a plein de métiers qui sont en manque de talent. Il y a même des formations qui se construisent en même temps qu'on avance. Ça veut dire que vous n'êtes pas en retard. Vous avez juste à vous intéresser au-delà des stéréotypes. Le numérique, c'est pour les geeks ou pour, mais pas pour les filles. Il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de personnes en handicap. Non, c'est faux. C'est avant tout une question d'envie. Et si vous avez envie, vous trouverez la formation et vous trouverez l'entreprise qui sera heureuse de vous accueillir. Donc c'est avant tout ça que la French Tech essaye aussi de porter comme message. Alors, merci pour vos interventions. Vous nous avez dit plein de choses. J'ai peut-être une question, je vais me faire un peu l'avocat du diable. On est là aussi pour essayer de détricoter les stéréotypes. Alexandre, peut-être Sam, vraiment, on peut travailler dans le numérique si on a plus de 50 ans? Vraiment, on peut le faire si on est handicapé? Vraiment, les femmes ont leur place dans le numérique? Je ne les ai pas en stock, les exemples, mais ouais. Mais ouais. Et ça m'arrive de croiser des gens qui, effectivement, valorisent leur expérience. Une dame, elle avait été responsable de magasins type une grande chaîne d'habillage pour femmes. Et marre. Son copain se met à coder. Elle devient meilleure que lui en codage le soir au coin du feu, etc. Et elle dit, je me lance. Et en fait, elle avait cette énorme capacité qu'a évoqué Sam, le goût du commerce, le goût des autres. Il lui a fallu juste apprendre le codage. Je ne sais pas quel langage elle a appris, et peu importe. Et elle s'est mise à faire du site web pour vendre, parce qu'elle s'est mise à la place du client, ce qui était son métier de base. Par contre, elle a su faire les briques de codage qui allaient bien. Et même sur le codage, les compétences d'avant, c'était effectivement, il fallait rentrer dans le très fin. De plus en plus, on peut combiner des briques préexistantes. C'est plus l'art de composer des choses. Et donc, cet exemple, c'était une femme. Alors, elle n'était effectivement pas cinquantenaire. Elle avait 42 ans, 43 ans, je crois, à peu près l'âge que tu dois avoir. Bluffante. Et elle a réussi, elle était... Abbeville, c'est pas forcément San Francisco, c'est une belle ville, mais c'est pas San Francisco. On se serait pas projeté là-dessus.
Voilà, c'est une histoire que j'ai croisée. Alors, tu le sais pas parce qu'on a des petites surprises, mais en plus, cette histoire, on va nous la raconter cet après-midi parce qu'elle sera là avec nous cet après-midi sur le plateau. Donc, c'était pas préparé. Merci pour ce teasing. Et alors, Sam, puisque tu m'interroges aussi là-dessus, on s'est rendu compte qu'on avait un gros déficit de représentation de la société dans les métiers de l'innovation, du digital en général. Et c'est toutes les actions combinées qui vont faire en sorte que demain, on aura véritablement des filières de l'innovation fortes pour toujours s'engager sur la conquête du monde, mais encore une fois avec un certain appétit de changer positivement ce monde. Et on a un programme à la French Tech qui s'appelle French Tech Tremplin. C'est un programme qui est destiné justement à ouvrir l'univers de la tech, alors plus dans la création d'entreprises, mais pas que, aussi renforcer l'univers des startups et des boîtes qui sont aussi dans des phases de digitalisation et qui ont besoin de jeunes. Et on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas les jeunes qui sont intéressants, c'est les personnes qui sont motivées et qui veulent trouver une solution au problème. Et ce programme French Tech Tremplin, il pousse à avoir, donc c'est une première promo de 150 personnes partout en France, pour pouvoir créer leur propre entreprise ou rejoindre des startups alors qu'ils étaient à des années-lumière, ces personnes. Et on a des femmes, des hommes, des personnes en situation d'handicap, des réfugiés, des personnes de première, deuxième génération d'immigration. On a absolument toute forme de représentation de la société parce qu'on considère que les compétences transcendent l'aspect uniquement identitaire, genré ou social. Et ce n'est pas uniquement du social, ce n'est pas la belle promesse électorale pour dire on fait du social, c'est économique. Il y a une étude qui a été faite il y a peut-être 3 ans de ça aux US, 2 ou 3 ans de ça, qui ne pourrait pas être faite en France parce qu'on a la CNIL et qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi en termes d'études de marché ou sur la population. On ne peut pas savoir le nombre de personnes qui votent de tel parti politique ou qui sont de telle confession religieuse dans une entreprise. C'est un peu la protection du droit de ces data, de ces données personnelles. Aux États-Unis, ils sont un petit peu plus souples, on va dire, là-dessus. Et donc, on a eu une étude assez intéressante sur qui est derrière les 40 plus grosses boîtes de la tech aux USA. Et surprise, on est à 36%, donc presque 40%, soit le fondateur ou la fondatrice, soit l'un des associés principaux, sont absolument pas des personnes qui ont fait un bac plus 5 sorti d'une très grande école d'ingénieurs américaines comme le MIT ou Stanford. Et donc, la question, c'est comment ça se fait qu'ils ont réussi à faire en sorte de créer des empires internationaux, mais des gros mastodontes, des très grosses boîtes, alors qu'ils ont peut-être fait une licence de géographie, de musicologie, qui sont arrivés par un bateau il y a 10 ou 15 ans. On s'est rendu compte qu'à partir du moment où on voit un problème et qu'on cherche à y répondre de manière un peu différente que celle, on va dire, un peu plus classique, on peut avoir des surprises, ce qu'on appelle l'uberisation ou la disruption. Si on attaque un problème avec un angle différent, parce qu'on a été formé différent, parce qu'on a notre richesse culturelle, sociale, familiale, on peut arriver à répondre différemment à un même problème. Et si le public suit, c'est gagné, parce qu'on crée une nouvelle tendance et on crée un nouveau marché et des nouveaux leaders. Donc le but aussi, c'est de faire prendre conscience, d'éveiller les consciences qu'on est là pour renforcer la diversité des formations, mais aussi des talents, parce que c'est ça qui va créer l'innovation et donc la conquête des marchés mondiaux. Alors, pour rebondir de mon côté, par rapport à cette question justement sur certaines catégories professionnelles, à Euratechnologie, on a une formation qui s'adresse à des 18-30 ans, donc des 18-30 ans qui n'ont pas eu accès au numérique, qui s'appelle BTech, et qui leur permet de se former au numérique. Et ce qu'on constate, c'est que évidemment, ils n'ont peut-être pas eu tous les masters qui vont bien, ils n'ont peut-être pas eu toutes les formations qui vont bien, mais à partir du moment où ils ont l'envie, la curiosité, c'est le point déterminant qui fera qu'ils vont réussir. Et en fait, dans le numérique, encore plus maintenant qu'il y a 20 ans, puisque tu parlais il y a 20 ans, quand tu sortais du lycée, je sortais à peu près pareil, du lycée. Il y a 20 ans, quand on voulait coder, il n'y avait pas les MOOC qui existent aujourd'hui sur Internet. Il n'y avait pas
tous ces livres pour pouvoir apprendre le HTML. Alors le HTML, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est super simple. Et à partir du moment où vous avez l'envie de faire quelque chose, quoi qu'il advienne, vous allez réussir à faire quelque chose. Et il ne faut pas hésiter aussi à se tromper. Et ça, c'est aussi important. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire, de mauvaise façon de l'exprimer. Il y a bien votre façon qui va déterminer aussi que vous êtes unique pour pouvoir réussir dans ce secteur. Yann, garde le micro. On a parlé entrepreneuriat et Sam nous a dit finalement quand on veut se lancer, on peut se lancer. Et tu nous as dit aussi, Sam, que finalement, il ne fallait pas toujours avoir un bac plus 5 pour créer. Si j'ai bien compris, il faut juste être bien entouré. Yann, il y a des programmes d'incubation aujourd'hui. Vous en avez beaucoup sur Euratechnologie. Il y en a aussi dans d'autres incubateurs en région de France, mais en France, puisque vous nous regardez de toute la France aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ces programmes d'incubation qui aident aujourd'hui à l'entrepreneuriat dans la tech ? Oui, alors sur ces programmes d'incubation, il faut aussi remettre dans le contexte de Euratechnologie. Nous sommes nés il y a à peu près 11 ans avec cette impulsion de Lamel, mais aussi le soutien de la région Hauts-de-France qui nous ont permis aussi et qui ont permis aux entrepreneurs de la région, mais pas que, au niveau national, mais aussi international, de pouvoir avoir un accompagnement, et c'est là où j'en viens à l'incubation, qui leur permet de pouvoir créer ou non leur start-up. En fait, l'incubateur qu'on a pu monter depuis le départ de Euratechnologie, sa promesse, c'est bien ça. C'est j'ai une idée, je ne sais pas par quel bout la prendre, peu importe mon âge. On a des personnes qui sortent d'école, on a des personnes qui sont même encore dans des écoles. Il y a à peu près 2 ans, on a même eu quelqu'un qui avait 17 ans, qui a postulé à l'incubateur et qui a eu cette opportunité dans son lycée de pouvoir, en parallèle de ses études, et il a eu son bac d'ailleurs, en parallèle de ses études, de pouvoir mener son expérience entrepreneuriale. Mais on a aussi des personnes qui ont fait 10, 20 ans d'entreprise, qui à un moment ont voulu créer quelque chose. Et le concept d'incubation, bah, c'est bien d'être avec d'autres entrepreneurs, d'avoir des workshops, donc des ateliers sur des thématiques bien précises, et d'avoir des échéances. Et aujourd'hui, la manière dont on l'a pris, elle est assez simple, c'est, et avec le soutien de Lamel et de la région dans le cadre de l'incubateur public, c'est de se dire, ils ont 80 jours. Leur objectif, c'est de tester un morceau de leur idée. Ça peut être créer une application, ça peut être faire un site web, ça peut être tester quelque chose qui n'est pas le super site web ou la super application qu'ils avaient imaginé, mais juste se donner les convictions que ça va marcher, que cette idée va marcher. Et on a tout type de profil dans l'incubateur. Après ces 80 jours, ils passent un grand oral et ils ont encore 9 mois d'incubation. C'est un an, quelque part, d'accompagnement. C'est pas quelque part, c'est un an d'accompagnement qui leur permet de créer ou non leur projet de start-up. Et on est maillé avec l'ensemble des incubateurs aussi, au travers de dispositifs qui sont mis en place par la région aussi. Je pense à HDFID, par exemple, qui permet aussi à ces entrepreneurs de pouvoir actionner un fonds régional d'incubation, qui est une vraie aide pour pouvoir tester son idée. Et l'incubateur est aujourd'hui ce qu'on fait à Euratechnologie. Pour vous donner un chiffre, enfin, je vais en donner deux, trois. On a fait à peu près 200 porteurs de projets l'année dernière au sein de l'ensemble de nos incubateurs, que ce soit à Lille, à Roubaix, à Willems et à Saint-Quentin. Sur ces 200 porteurs de projets, on sait, alors c'est une moyenne, après c'est pas scientifique non plus, mais qu'il y a à peu près 40% des personnes qui vont créer à l'issue de leur incubation. Et c'est pas un problème, c'est-à-dire qu'on les accompagne dans ce chemin de se dire « j'ai une idée, je veux me donner le maximum de chances, le maximum de personnes qui vont pouvoir me nourrir. J'ai peut-être une compétence marketing, je ne sais absolument pas comment faire pour coder. Ben, je vais m'entourer de personnes qui vont pouvoir m'aider à mener mon projet. Et je vais aussi, dans cette phase d'incubation, comprendre un peu comment les entrepreneurs se sont développés. Et je vais aussi, avec ces entrepreneurs, pouvoir construire des choses dans la durée. Parce que l'idée, ce n'est pas juste d'être là à un stade d'incubation, mais c'est aussi d'être et de créer de la valeur sur le territoire. Notre but, c'est vraiment que l'emploi soit une vraie force sur le territoire. Du coup, c'est ça, 200 entreprises, 40% de création. Ça fait sur une année une ambition de 80 entreprises de plus, et donc des emplois en plus. Et il faut aller les chercher, il faut former des talents. Former des talents, ça passe par l'alternance. Sam,
On te retrouvera cet après-midi, on a la joie de te retrouver cet après-midi sur cette thématique. Tu vas animer la table ronde sur l'alternance, tu nous fais un teasing en 30 secondes. Effectivement, ça va être un beau moment. Je vous attends à 14h45 jusqu'à 15h30. Je serai entouré d'invités exceptionnels qui vont absolument tout vous dire sur l'alternance, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, pourquoi il faut prendre plutôt telle voie. Il y en a qui ne seront même pas d'accord, donc on va avoir un peu de fight, ça va être intéressant. Mais ce qui est important, c'est que ça va dans le bon sens. Et quand je dis ça va dans le bon sens, ça va dans le bon sens à tout niveau. Dans le nombre de formations, dans le nombre d'organismes de formation qui se démultiplient sur cette forme d'apprentissage, le soutien de l'État, un soutien économique pour les entreprises, et même dans l'évolution des mentalités des entreprises. Donc rendez-vous à 14h45 pour en savoir un peu plus. C'est ça. En plus, c'est toi qui donnes l'horaire, c'est toi qui donnes le programme. Merci. Peut-être un mot, avant de relaisser la parole à Frédéric, à Yann, je voudrais redire deux mots sur ce que c'est que le Numérique Fait Son Festival. Numérique Fait Son Festival, au départ, c'est... finalement, deux actions qui se rejoignent. C'est un Daily Jobs, qui est une action qui existe depuis 6 ans, côté Euratechno. C'est PlayOn, ou le Printemps du Numérique, qui était animé depuis également 6 ans par la MIE, la Maison de l'Emploi, à Roubaix. Pourquoi finalement, Frédéric, Yann, pourquoi avoir lancé cet événement commun ? En quoi ça apporte de la plus-value que ça se fasse ensemble ? C'est assez clair, c'est que le fonctionnement en silo, c'est peut-être quelque chose d'ailleurs que les entreprises du numérique nous ont appris et ont montré. Le fonctionnement en silo ne correspond plus aux enjeux du monde actuel. Et donc, si on veut avoir une politique de l'emploi, avoir un retour à l'emploi, une formation à l'emploi qui est efficace, il faut le mener de front avec les structures qui s'occupent de la création d'entreprises, de l'accompagnement des entreprises. Et donc, j'allais dire, c'est tout naturellement... Ça n'aurait aucun sens que les maisons de l'emploi, que Pôle emploi fassent des choses numériques dans son sens sans jamais parler avec les lieux où sont les entreprises et où est la création. Si on veut avoir une action efficace, il faut bien sûr faire ça en partenariat. Et je pense que sur le territoire des Hauts-de-France, on est relativement exemplaire là-dessus. Et pour compléter, moi je voulais aussi remercier l'ensemble des équipes de la MIE de Roubaix et de Euratechnologie, puisque cet événement, on devait le faire depuis un certain temps, puis les conditions ont fait que on le fait aujourd'hui sur la phase pré-Daily Job en visio, mais les dates à retenir pour pouvoir vivre cet événement, donc ce festival avec PlayOn le matin et Daily Job l'après-midi, qui est bien la continuité d'un parcours de quelqu'un qui a envie de se former et qui a envie d'être recruté par des startups, c'est le 29 et le 30 septembre. 29 matin, c'est la partie PlayOn avec les écoles. Vous allez pouvoir rencontrer des centres de formation, des écoles qui vont pouvoir vous permettre de comprendre comment être bien accompagné, bien formé au métier. Et l'après-midi de ces deux journées, vous rencontrez des startups qui recrutent, évidemment dans des conditions qui feront que nous aurons un atrium qui sera un peu différent de d'habitude, mais nous aurons bien des entreprises et des écoles qui seront là pour répondre aux questionnements des personnes qui viendront lors de ces deux journées. Donc inscrivez-vous, c'est uniquement sur inscription. Si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pourrez pas malheureusement pouvoir accéder à l'événement. Je suis impatient et je pense qu'on est tous impatients de pouvoir vivre aussi ce moment qui permettra aussi de montrer que la dynamique en termes d'emploi, la dynamique en termes de formation et d'école en région est assez exceptionnelle et vous avez toutes les clés pour pouvoir réussir et pour pouvoir demain travailler dans les startups du numérique. Merci Yann, ça me donne l'occasion de rappeler que pour toutes les infos, si vous souhaitez nous rejoindre le 29 et le 30 sur les temps forts du Daily Jobs et du PlayOn, donc salon de la formation le matin, de l'emploi l'après-midi, le 29 et le 30 septembre, les infos elles sont sur www.festivalnumérique.com et les liens d'inscription, vous les retrouverez soit sur ce site, soit directement sur Eventbrite en tapant juste Festival du Numérique ou Numérique Festival à Lille. Vous retrouverez ça assez facilement. Un mot de la fin, un mot de conclusion. Sam, Alexandre, vous qui êtes en contact avec les entreprises, avec les acteurs de la formation, finalement, du coup, ça vous rassure, on va avoir des talents ?
Ah, moi, je suis de nature optimiste, donc j'ai aucun doute là-dessus. À partir du moment où on a envie, on peut réussir. Alors, j'apprécie beaucoup ce format. Je trouve qu'il y a une vraie intelligence dans la construction de préparer en amont, une semaine avant, un certain nombre d'échanges, de retours de terrain qui doit permettre de donner des clés de lecture supplémentaires. Comme ça, lorsque vous viendrez le 29 et le 30, vous en saurez déjà un peu plus et les premières 30 secondes, elles sont toujours les plus importantes. Ça vous permettra de briller comme jamais, au moins pour les 30 premières secondes, parce que vous aurez suivi l'ensemble de cette journée. Je suis très content aussi de vivre pour la première fois un before. J'avais l'habitude de vivre des afters. Bon, c'est un très bon concept. Restez connectés toute la journée et au plaisir de vous retrouver 14h45 pour ma table ronde. Alors moi, je vais te dire, je suis déçu. Sam, sérieux, il fallait regarder la caméra en disant, façon oncle Sam, le numérique a besoin de vous. Donc je vais le faire. Écoutez, franchement, effectivement, le numérique a besoin de vous. On a besoin de vous comme vous êtes. Ça a été utilisé, ça. Oui, elle est là, la caméra. Bah ouais, on va dire que c'est ça. Mais effectivement, il y a du boulot. Pas forcément là, tout de suite, abondamment, dans les 6 prochains mois, mais il y a du travail. Donc, engagez-vous effectivement dans ces formations. Engagez-vous vers ces voies. Retirez les œillères. Regardez véritablement les opportunités et dites-vous, est-ce que j'ai envie d'y aller ? Est-ce que ça me tente ? Il y a plein d'acteurs qui sont là pour vous accompagner, pour vous aider, vous prendre par la main, effectivement, soit pour créer votre boîte, soit pour engager une formation de reconversion, soit pour choisir les bonnes options et avoir votre formation initiale dans ce secteur-là. Donc allez-y, n'hésitez surtout pas, ne vous bridez pas, ce serait trop bête, parce qu'on a quand même des jobs, il faut se le dire, assez sympas. Voilà. Merci à tous les quatre, merci pour vos témoignages. Vous l'avez fait tout au long de vos témoignages, vous avez rappelé un peu le programme de la journée, mais je vais quand même en dire quelques mots de plus. On va se retrouver juste dans quelques minutes après cette séquence sur une découverte des métiers. 4 métiers qu'on va vouloir vous présenter, vous expliquer un peu plus des métiers qui se développent. Le numérique, je regarde mes témoins, mais je sais qu'avec Alexandre et Sam, on en a souvent parlé. C'est plein de mots qu'on ne comprend pas, c'est plein de métiers qu'on ne comprend pas. Quand on les lit, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On a 4 témoins là qui vont s'enchaîner juste après, qui vont vous présenter les métiers de la cybersécurité, qui vont vous dire ce que c'est que la data, qui vont aussi vous dire ce que c'est que l'UX design ou ce que c'est que le développement full stack. Enfin, développement full stack, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui comprend quand on n'est pas dans le numérique. Et donc, voilà, 4 témoins qui vont pouvoir nous accompagner, nous expliquer concrètement comment eux vivent le numérique au quotidien dans leurs entreprises. Et donc, on sera ravis de les accueillir. C'est vraiment dans 2 minutes. Ce matin aussi, et ça sera aussi... l'objet de notre journée, on va vous préparer au Daily Jobs, on va vous préparer au Play On, au Numérique fait son festival et à nos salons de la semaine prochaine. Vous préparer, c'est vous expliquer finalement comment on se comporte face à une entreprise du numérique quand on la rencontre pour la première fois, comment on candidate, quelles sont les erreurs à ne pas faire, ou en tout cas, quels sont les bons codes à avoir quand on doit contacter, candidater une entreprise. On va vous parler de formation, Sam, tu l'as dit, cet après-midi, on a une super table ronde avec 4 super intervenants sur l'alternance pour vous expliquer que l'alternance, c'est possible. C'est encore plus possible aujourd'hui que ça ne l'a été. Et vraiment, se former, c'est possible aujourd'hui partout en France. Et il faut se diriger vers le développement de vos compétences, vers le numérique, vers tous ces métiers qui sont... juste à votre portée. On parlera de reconversion professionnelle. Là aussi, vous en avez un peu témoigné tout à l'heure. La reconversion professionnelle, c'est possible. Il y a plein de dispositifs pour vous aider. C'est un sujet qu'on verra cet après-midi. En fin de matinée, on aura aussi un petit point. Et on retrouvera Mathieu qui nous rejoindra. Il sera connecté à distance, mais il vous expliquera finalement quels sont les contrats aujourd'hui dans le numérique. Le CDI existe-t-il toujours ? En tout cas, est-ce que c'est toujours la règle, le CDI dans le numérique ? Voilà, une petite prise de hauteur pour essayer de comprendre aujourd'hui comment l'interaction entre l'entreprise et les talents a évolué et s'est adaptée à des nouvelles contraintes, à des nouvelles conditions d'emploi et de relations candidat-employeur, tout simplement. Voilà, on a une grosse programmation. Ce soir, on finira avec l'entrepreneuriat au féminin dans la tech. On a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé des femmes et on a aussi des femmes qui créent. On aura des femmes, des superwomen qui vont venir vous présenter ce qu'elles ont fait et comment elles voient les choses. Voilà pour le programme. On continue tout de suite. Je pense que c'est l'heure du petit jingle. Je remercie mes 4 grands témoins. Merci Frédéric, Yann, Alexandre, Sam. À très vite. On se retrouve au moins Sam tout à l'heure dans l'après-midi.